Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Twitter Space. Je vais vous expliquer, enfin, de toute façon, vous êtes déjà au courant si vous avez lu le titre, mais on va vous faire le récap aujourd'hui avec Floki. Déjà, Floki, on va faire le petit test du son, voir si ça fonctionne. Est-ce que... Bah, déjà, comment tu vas? Salut. Salut, salut, quelle ambiance, putain, ça envoie, hein. Écoute, je t'entends très bien, je sais pas si tu m'entends bien, mais pour moi, c'est tout bon. Ok, ouais, bah nickel, je t'entends super bien. Du coup, je vais vous expliquer rapidos comment ça va se passer. On va vous faire tout le débrief de Breakpoint avec Floki. On a passé beaucoup de temps ensemble, on va tout vous raconter. Donc, on va vraiment vous expliquer tout ce qu'on a fait, machin. On va évidemment parler que des choses les plus importantes. On va pas pouvoir revenir sur tout parce que c'était vraiment une semaine de folie. Voilà, pendant ce live, tout à la fin ou vers la fin environ, je vais faire gagner 3 personnes. Donc, il y aura 2 fois 50 GMT à gagner. Et il y aura en plus un spot whitelist pour Gazero, pour pouvoir tester Gazero en avant-première pour les community tests. Donc s'il vous plaît, pétez-moi les likes, les retweets, les commentaires pour ça. Bien évidemment, pour être éligible, je vais checker si vous avez tout fait. Donc voilà, vous pouvez tout envoyer. Vous pouvez aussi envoyer les petits emojis là, ça fait plaisir de ouf. C'est Sou de Stepen qui nous a filé ça, donc c'est vraiment trop trop cool. Donc écoute, déjà avant de commencer, Floki, étant donné que je suis pas sûr que tout le monde te connaisse, t'es quand même très connu, c'est clair, mais voilà, je te propose que tu te présentes rapido, en genre à peu près 5 minutes, que tu nous expliques qui t'es, ce que tu fais, tout ça quoi. Eh ben, écoute, c'est parti. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Floki. Je vis en Australie en ce moment, donc je suis plutôt sur la scène anglophone, on va dire, sur tout ce qui est Stepen, Gazhero, More, etc. Sur FSL, Twitter, Instagram. Je fais plus de contenu en anglais qu'en français. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas pu être là présent sur certains de tes spaces, etc. parce que avec le décalage horaire en Australie, c'est un peu compliqué. Mais là, je suis en France en ce moment, je suis revenu en France et du coup, c'est pour ça que j'ai pu aller à Amsterdam la semaine dernière où c'était bien cool et que j'ai pu tous vous rencontrer. Sinon, voilà, je suis un voyageur, donc un peu un nomade, un baroudeur, tout ce qui vous va bien, quoi. Je voyage énormément, j'ai pas vraiment d'endroit fixe. J'adore voyager. Là, en ce moment, je suis en Australie, mais dans quelques mois, je vais bouger en Nouvelle-Zélande. Et voilà, je fais que bouger. Ça fait environ 2 ans, 2 ans et demi que j'ai commencé à investir dans la crypto et que bah, je suis dedans à plein temps, à me renseigner, à étudier, à connaître de nouveaux projets, à être dans Stepen depuis février 2021, quelque chose comme ça, donc au tout début. Et depuis, j'ai pas arrêté, quoi. Là, ça va faire un peu plus d'1 an que je suis ambassadeur FSL, du coup. Donc pour tout ce qui est Stepen, More, Gazero maintenant. Et voilà. Donc plus sur en anglais, etc. Je fais assez rarement de tweets ou de posts en français, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir un peu parler en français, rencontrer la commu française, quoi. C'est Mais clair voilà, car... là. Ouais, non, mais c'est clair carrément. Moi aussi, en vrai, je tweete peu en français parce que bon, bah sinon, tous les Anglais, ils peuvent pas comprendre, donc c'est chiant. Donc voilà. Écoute, ce que je te propose, Floki, du coup, on a un peu parlé en off, c'est en gros de parler jour après jour de ce qui s'est passé. Alors, le tout premier jour, en fait, le lundi, c'était lundi ou le dimanche, je me souviens déjà plus, c'était le lundi. Ouais, c'est lundi, ouais. Ouais, voilà. Donc c'est là où on s'est rencontrés la première fois. Donc moi, je vais organiser en fait un Stepen event, un event de running avant en fait de pouvoir aller à Breakpoint. Le but c'était de faire une petite course tous ensemble, après d'aller boire un café et ensuite on allait à Breakpoint parce que le premier jour il n'y avait pas de conférence tout ça, mais il y avait ce qu'on appelle le Welcome Mixer. Donc on va y revenir juste après. Du coup, pour le Stepen event, c'était un peu raté entre guillemets. Il y a très peu de monde qui sont venus. En fait, il y a eu un problème. On n'était pas pile à Amsterdam pour l'événement. On était à Zandam. C'est au-dessus, et en fait, les gens qui devaient venir, ils devaient venir en bateau d'Amsterdam Central. Et il y a eu un bateau qui a été annulé, le bateau pile en fait pour venir à ça. Et donc, du coup, il y a des gens qui se sont retrouvés bloqués. Il y a même des gens qui n'ont pas pu venir à l'heure à Breakpoint. Donc, ça a fait qu'étant donné que nous en plus on était plus au nord de l'événement, que du coup, les gens ont galéré de ouf à venir. Donc, bref, voilà, on a fait du coup notre petite marche tous ensemble pour aller à Breakpoint. Il y avait Dan, non, comment il s'appelle? Oui, c'est ça, Dan, hein. Ouais, Grunchy Dan, Voilà, lui il est super qui vient connu. d'Angleterre, ouais.
Ouais, exact. Lui, il est hyper investi aussi dans l'écosystème, donc on a pu tous se parler. Il y avait aussi tous les ambassadeurs, Lucas, Kana, bon, ils sont pas ambassadeurs, mais il y avait aussi Stepen Europe qui était là, donc cool aussi, on a pu un peu apprendre à se connaître tous ensemble. Et donc ensuite, on est allé au Welcome Mixer, et là, je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'était trop cool. C'était le seul jour de la semaine où il y avait de l'alcool, mais du coup, c'était top pour commencer direct en mode un peu soirée comme ça, quoi, non? Ouais, exactement. Bah, déjà, ce qui était bien, c'est que, comme tu l'as dit avant, même si le petit Step and Event, il était un peu raté, bah, finalement, on s'est quand même tous retrouvés avec un peu l'écosystème Step and des anciens ambassadeurs ou maintenant qu'ils font partie de la team, etc. Et c'était cool. Enfin, moi, pour moi, c'est la première fois que je rencontrais tout le monde, donc c'était sympa. Et après, ouais, directement à la cérémonie d'ouverture, si on peut dire, du Breakpoint, c'était vraiment super cool de rencontrer, tous ceux de la communauté qui sont déplacés, qui viennent d'Espagne, d'Angleterre, d'Allemagne, etc. Et de enfin pouvoir les rencontrer et de parler avec tout le monde, enfin de mettre un visage sur des noms Twitter, tu vois, que tu as l'habitude de parler avec depuis 1 an ou 2 et que là finalement tu rencontres tout le monde, c'était vraiment cool. Et le fait qu'il y ait de la musique, un peu d'alcool, que tout le monde soit vraiment dans l'ambiance, prêt à démarrer ce breakpoint, c'était vraiment cool. J'ai vraiment bien aimé cette soirée, ouais. Ce début de soirée, parce que du coup Ouais. c'était cool le début, ouais. Ouais, c'est clair. Mais en fait, c'est trop bien parce que du coup, vu que c'est une ambiance vachement chill avant de commencer, bah, t'apprends déjà un peu à te connaître et tout. Et en fait, ça pose un peu le truc pour la semaine. Et moi, la personne qui m'a marqué que j'ai bien aimé rencontrer en tout cas, c'est Kaiten de GameFi qui travaille avec Crit, etc. de GameFi. Voilà, c'est une super personne. On s'était parlé plein de fois. On avait déjà fait des trucs ensemble aussi, genre en vidéo et tout pour GameFi. J'avais déjà présenté GameFi, etc. Donc c'était trop cool de pouvoir la rencontrer en vrai. Et puis voilà, en gros, c'était ça. Il y avait de la nourriture aussi qui était incroyable. Donc en gros, les gars, pour les events crypto, pour tous ceux qui veulent vraiment s'investir dans l'écosystème, je vous recommande à 200% de faire des events crypto parce que je sais pas ce que t'en as pensé, Foki, tu vas me dire juste après, mais voilà, le billet il coûte un peu cher. Nous, on a eu les prix un peu en content ou en student, ça coûtait genre 250 balles. Mais pour toute la semaine, t'as 5 jours de conférence, t'as nourriture gratuite tous les jours, boisson gratuite, premier jour d'alcool, après il n'y a plus d'alcool. Mais voilà, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Franchement, niveau prix et tout, ça vaut 10 fois le coup, non? Ouais, exactement. Donc, comme tu l'as dit, nous on se l'est pris à l'avance. Du coup, on a réussi à avoir des places, des tickets students ou content creator, et du coup des tickets beaucoup moins chers à 200-250 $, ce qui reste cher, mais pour 5 jours d'événement où que tout est gratuit, t'as rien à dépenser sur place, t'as des goodies et du merch, des t-shirts, des hoodies, etc. Enfin, ça vaut le coup. C'est sûr que si tu payes le plein prix qui était à 800 $ le ticket, je crois, ça peut faire un peu cher, mais tout dépend pour la raison pour laquelle tu y vas, en fait. Mais moi, j'ai trouvé honnêtement que ça valait vachement le coup. Enfin, je veux dire, pendant toute la journée des événements, on n'a jamais rien dépensé. Enfin, on n'a jamais rien dépensé. Si on le voulait, on pouvait dépenser et acheter des canettes de Red Bull ou des vrais cafés, etc. On pouvait les acheter en USDC. Sur place, mais ça restait très abordable, c'était pas cher du tout, et voilà. Mais sinon, en soi, moi j'ai rien dépensé du tout sur tout l'event, et la qualité de la nourriture, etc., était quand même incroyable, donc ouais, ça vaut le coup. Ouais, il y avait plein de petits stands avec plein de nourritures différentes. Il y avait des pâtes, de la viande, du poisson et tout. C'était délicieux, c'était trop trop cool. Et donc voilà, donc ensuite on va passer au premier jour, en fait, le vrai jour du coup des conférences. Donc là, le premier jour, il y avait des grosses conférences d'entrée, en fait, pour un peu annoncer tout ce qui allait se passer. Donc la première conférence qu'il y a eu, c'était la conférence d'Anatoly. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'un des cofondateurs de Solana, en fait, si ce n'est d'ailleurs le fondateur de Solana. Donc c'était une conférence assez impressionnante. Je vais vous mettre le lien, en fait, des plus grosses conférences. Elles ont toutes été enregistrées sur YouTube, elles sont toutes dispo en rediffusion. Je vais vous mettre le lien des 4-5 conférences, vraiment celles qui m'ont marqué le plus, les plus importantes, et je vous recommande vraiment d'aller les voir parce que c'est ultra intéressant déjà pour comprendre l'écosystème, pour savoir aussi toutes les news sur Solana parce qu'il se passe énormément de choses. En l'occurrence, là, le premier jour, il y a eu aussi FireDancer, c'est un énorme protocole de validateur sur Solana qui permet d'augmenter la rapidité de plein plein de choses. Donc
extrêmement, enfin voilà, extrêmement une grande avancée en fait, on va dire, par rapport à Solana. Quand ce qu'on disait hier, quand les conférences en fait avaient lieu, dès qu'il y avait des bonnes nouvelles, ce qui était hallucinant, c'est qu'on voyait en temps réel le sol qui pumpait. Genre on entendait une bonne news dans le truc et boum, ça partait. Et franchement, ça commençait déjà dès le premier jour, c'était la folie parce que tout le monde était en train de devenir fou. Comment t'as vécu ça, toi? C'était incroyable, non? Ouais, exactement. Alors du coup, moi, l'ouverture, je l'ai un peu loupé. Enfin, j'ai loupé le premier talk justement d'Anatoly où il faisait l'ouverture du Breakpoint parce que je discutais avec d'autres personnes dehors, etc. Et j'ai un peu loupé. Mais en fait, directement, dès qu'il y a eu l'ouverture et après le second talk qui a été justement Fire Dancer où qu'ils ont annoncé justement cette grosse update de l'écosystème Solana. Et cette mise à jour, enfin ce projet qui va vraiment donner quelque chose et qui va pump le Solana, on a vu directement le Solana pumper sur les marchés. Et ça a été un peu la discussion principale du breakpoint. Tout le monde parlait, ah, t'as vu le Solana, comment il a pump, etc. C'était assez incroyable de voir ça, honnêtement, avec, comme on l'a dit hier, le Solana qui a eu vraiment beaucoup de mal depuis cette dernière année, tu vois, qui est descendu très très bas, que la communauté est vraiment restée soudée, etc., a eu de mal à repartir. Et là, il est reparti en flèche avec Breakpoint et il est pas redescendu depuis. Et c'est assez incroyable. C'était cool de voir ça sur place, tu vois. Et de comprendre aussi pourquoi le Solana est pump, tu vois, d'avoir les news en direct et de voir que le marché réagit justement à ces news et pour quelque chose, tu vois, pour une bonne raison. C'était cool de voir ça. Ouais. Ouais, carrément, carrément, c'était trop cool. Est-ce que toi, le premier jour, dans l'après-midi, moi, j'ai raté toutes les conférences. Est-ce que le premier jour, ah non, il y avait aussi, pardon, le premier jour, j'ai oublié, il y a eu aussi une conférence que j'ai adorée, c'était Visa et WorldPay. C'est en gros les structures de système de paiement de Visa. Et en fait, bah, vous savez, pour ceux qui ont suivi l'actu, que Visa s'intéresse énormément à la blockchain Solana. Et là, d'expliquer en live, c'était ultra intéressant. En fait, Visa et WorldPay, en l'occurrence, ils expliquaient qu'à chaque transaction, il y a des acteurs qui vérifient si la monnaie, elle est bien distribuée à la bonne personne, etc. Et tout ça, ça coûte vachement de frais. Et je ne me souviens plus exactement les pourcentages qu'ils disaient, mais c'était assez énorme. C'était, je crois, genre 2 ou 3% de frais pour chaque transaction que les systèmes de paiement payaient. Et du coup, en fait, ils s'intéressent énormément à Solana et ils sont déjà en train de build sur Solana parce que grâce à Solana, ça leur permettrait de diviser par 100, je crois, les coûts des transactions. Donc bref, je vous imaginais pas quand la news là est tombée comme ça a pété, mais du coup voilà, c'était assez cool et vachement intéressant. Ça, c'était quand même des personnes. La personne en question, elle travaillait, elle était au placé, ses visas et tout. C'était quand même des personnes assez importantes dans les systèmes financiers traditionnels, on va dire. Donc c'était super intéressant à voir. Toi, il y a une autre conférence qui t'a marqué ce jour-là ou pas? Du coup, moi, c'est vraiment ouais, celle-ci, celle que tu viens de parler, qui a été vraiment une des plus intéressantes dans l'après-midi, parce que justement, de voir justement ces institutions financières Web2, tu vois, si on peut les appeler comme ça, qui parlent, tu vois, à une conférence qui est Solana en plus, donc c'est même pas une worldwide conférence des cryptos, tu vois, c'est vraiment basé sur l'écosystème Solana, et de voir justement ces énormes institutions qui est Visa et Worldpay venir parler et venir nous dire que ils savent justement ce que Solana fait, ils sont au courant de tout, ils travaillent avec déjà dans l'ombre un petit peu en backstage, qu'ils sont en train de tout préparer et parce que justement ils savent que qu'il y a quelque chose à jouer là-dessus et que ça va leur bénéficier à eux comme aux cryptos et que c'est vraiment ils voient leur futur là-dedans, quoi. Alors, comme ils disent, ça va prendre du temps, etc. Mais ils savent qu'il y a quelque chose à jouer dedans et que ça va être bénéfique pour tout l'écosystème, comme pour eux, comme pour nous. Et ouais, ça a été vraiment assez intéressant. Après, moi, j'ai fait quelques autres talks, vraiment des petits talks de 15-20 minutes, un peu plus techniques, concernant la DeFi, blockchain, etc. Vraiment très intéressant, mais moi j'aime bien un peu la technique, connaître un petit peu tout ce qui va derrière, autre que NFT, etc. Et c'était très très intéressant aussi, mais voilà, ça reste beaucoup plus technique. Si quelqu'un n'a pas le vocabulaire crypto, je pense pas qu'il aurait compris la moitié du talk, mais c'était intéressant. Ouais.
Ouais, parce que du coup, il y avait plusieurs stages en fait. Il y avait la stage principale, là, quand on vous en parlait au début, c'était toutes les conférences, c'était sur ce stage, sur la main en fait. Et après, il y avait plein d'autres stages. Donc, par exemple, là, ce que Floki vient de dire par rapport au truc là, c'était le developer stage en l'occurrence. Il y en avait d'autres aussi. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai été un peu voir. L'aspect technique m'intéresse, mais je suis absolument pas passionné. Et je vous avoue que ça me saoulait un peu sur place d'entendre parler d'algorithmes, de machin. Donc, j'ai pas trop passé de temps là-bas. Mais il y avait un coin vraiment fait pour les devs où il y avait des tables, des ordis, il y avait aussi des workshops. Donc, tu avais des gens qui montraient, qui expliquaient aux gens. Donc, c'était aussi excellent pour des personnes voilà, qui veulent devenir dev, qui veulent avoir des infos davantage sur la sécurité ou sur plein de choses. Il y avait plein d'ateliers en fait sur place qui étaient prévus pour que bah, les gens se forment et comprennent en fait. Et ça aussi, ça fait une diff quand tu vois un tutoriel sur YouTube. Ok, c'est cool, tu apprends, c'est génial. Mais quand tu as en même temps un gars qui est à côté de toi qui peut te guider, bah, c'est vraiment trop cool. Donc voilà, bref. Ensuite, le même jour, ce même jour, il y a eu, je crois, c'était ce jour-là où il y a eu l'event Clainosaur après, si je ne me trompe pas, non? C'était direct le premier jour? Non, 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 c'était le jour d'avant justement, c'était juste après la soirée mixeur, juste après la cérémonie d'ouverture, enfin la soirée d'ouverture du Breakpoint, il y avait justement l'event Clénosor. Donc Ok, c'était le bah, jour d'avant, ouais. on l'a raté du coup. Bah écoute, on va quand même en parler parce que moi, cet event, il m'a bluffé totalement. Vas-y, tu veux commencer à en parler ou pas? Ouais, bah ouais, clairement, enfin c'était l'event tant attendu de tout le monde avant la soirée parce que Clénosor, bon, pour ceux qui connaissent Clénosor, un gros studio qui sont en train de build depuis un peu plus d'un an et demi maintenant et avec leurs fameuses NFT etc. Dinosaures et ils ont fait une annonce avant le Breakpoint comme quoi ils allaient faire une grosse annonce. Du coup tout le monde attendait un peu cet événement donc un événement à part de la du Breakpoint à part de la convention qui s'est passé juste après du coup la soirée Solana d'ouverture. Donc là, tout le monde, pratiquement tout le monde, s'est rendu à la soirée Clénosor. Et là, on arrive dans une sorte d'énorme boîte fermée avec plein de lumières, des jeux de lumière, des lasers de partout. Les fameuses peluches qui ont été introduites et qui viennent d'arriver dans l'écosystème Clénosor, avec des jeux de lumière incroyables, vraiment super cool. Et là, après, tu arrives dans une grande salle avec des écrans géants et bien sûr de l'alcool, etc. Vin, bière, tout le monde qui parle ensemble, qui se rencontre, etc. Parce que c'était la première soirée, donc beaucoup de monde se rencontrait seulement à ce moment-là. Et après l'annonce, je pense que je vais te laisser parler de l'annonce Cléno, mais enfin moi, ça a été une de mes meilleures soirées. L'ambiance, l'atmosphère et le bien vivre, en fait, tout le monde était tellement cool et vraiment passionné, tu vois, il y avait, je sais pas, on avait l'impression de tous se connaître, alors qu'on a juste parlé sur Twitter ou quoi, une fois, ou même sur Discord, quelques semaines ou quelques mois avant, mais c'est tout, quoi. Mais on avait vraiment l'impression d'être une grande famille, qui se revoit depuis longtemps, et c'était super cool, ouais. Ouais, j'ai ressenti exactement la même chose, c'était vraiment cool. Et on n'a pas précisé, mais à tous ces side events, en fait, systématiquement, à chaque fois, sauf pour Rockerberz, on y reviendra plus tard, mais il y avait à chaque fois alcool et nourriture quasiment à volonté gratuit. Donc trop cool. On a pas mal dansé aussi avec Floki parce qu'il y avait du coup un grand DJ. C'était un peu comme une boîte de nuit, mais pas vraiment en fait. Et donc voilà, il y avait aussi, j'ai discuté avec pas mal de monde, des artistes qui travaillaient pour Clainosaur, c'était super. Et effectivement, ils nous ont fait une annonce en fait en live. Donc ils nous ont tous rassemblés dans la grande salle et il y avait des écrans télé. Et en fait, ils nous ont envoyé une animation qui est disponible sur la page Clainosaur Twitter. Mais c'était trop trop cool de pouvoir voir ça en live. Les gens étaient quand même assez bluffés. Il y en avait qui poussaient des petits cris aussi, c'était assez drôle. Et voilà, et après il y a eu un talk du coup de Shads. Merde, je sais plus, c'est le fondateur de Kleino. Enfin bref, il nous a expliqué. Donc vas-y, je te laisse dire pour genre l'annonce qui a été faite. C'est par rapport, il y a eu un truc par rapport à la Red Clay. Et vas-y, je sais plus très bien en fait, c'est pour ça que j'ai un trou. Ouais, donc en gros ils ont sorti cette animation, ce trailer, si on peut dire, cette animation de 1 minute 30, quelque chose comme ça, où justement ils te mettent un peu plus en avant les dinosaures dans l'écosystème Clénosaure, un peu avec cette map volcanique, etc. Donc là déjà tu vois un travail de fou au niveau de l'animation, parce que bon, il faut le dire, tous ceux qui font partie de Clénosaure, la team Clénosaure, sont des grands au niveau de l'art, de l'animation, etc. Ils travaillent à Ouais. Hollywood, ils ont travaillé sur Spider-Man, sur des Disney, sur
énormément, énormément de d'art. C'est des artistes, artistes de cinéma, quoi. Et donc, déjà Cali, vraiment Cali de fou. Et ensuite, donc, ouais, t'as Cab Animation, qui est le fondeur, le fondateur de Clénosaur, qui a discuté et qui nous a un peu présenté le futur de Clénosaur, avec déjà l'implémentation des classes, donc de pouvoir mettre une classe à son dinosaure, donc que ça soit attaqueur, tank, healer, soigneur, enfin, ou juste defender ou quelque chose comme ça. Donc pouvoir mettre les classes, donc utiliser ses clés pour pouvoir mettre ses classes sur son dinosaure, et ensuite pouvoir justement commencer à interagir tout doucement avec son dinosaure, pour l'instant juste en one to one. Donc pour l'instant tu peux pas encore te déplacer avec ton dinosaure, etc. Mais c'est tout un début. C'est si vous allez voir sur le website de Clénosaure, justement, vous pouvez déjà commencer à interagir avec votre dinosaure, etc., faire deux trois trucs. Et donc là, on commence à voir que justement il commence vraiment à nous teaser un peu plus, à nous montrer sur ce qu'il travaille. Et ouais, c'est assez fou. Enfin, c'est encore secret, tu vois. C'est encore dur à savoir exactement ce qu'ils veulent faire, ou vraiment ce que va être leur jeu, ou s'ils veulent faire une série animée dessus, ou s'ils veulent faire un film, tu vois. C'est encore dur exactement de savoir où ils veulent aller. Mais justement, ils gardent ça secret, et ils nous teasent au fur et à mesure, et avec des gros events comme ça. Enfin, Clénosaure, c'était un des events qui a fait le plus parler sur la conférence, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, c'était incroyable. Moi, je vais te dire un peu ce que je pense qu'ils veulent réaliser parce que j'ai eu des échos, j'en ai entendu parler. Déjà, pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur ces projets? C'est parce qu'on a vu qu'il y avait des projets en fait sur Solana qui étaient vraiment très imposants et très importants. Et en fait, bon, je pense que tous ici, on kiffe Solana et on est tous persuadés que ça va devenir quelque chose de gros. Nous, encore plus après avoir été à Breakpoint. Et je pense que si Solana devient gros, il va y avoir des gros acteurs sur Solana, donc ça peut être des collections NFT ou autres, qui vont évidemment prendre une très grosse importance. Et en gros, moi, ce que j'ai compris, c'est que Clénosaur, il voulait vraiment devenir le futur Pixar du Web3. Donc c'était vraiment ça l'idée, c'était vraiment de construire un studio de films, mais en plus, du coup, un studio de jeux vidéo et plein de choses comme ça. Je viens de vous poster là en commentaire la petite animation dont on vous parle, comme ça, vous pouvez la regarder en même temps que ce space, ça dure 1 minute 30. Et vous la réécouterez aussi peut-être plus tard avec le son parce que c'est trop trop cool en vrai. Et nous, imaginez, on était sur un écran géant, le son à fond, on était totalement pris dans le truc. Donc bref, voilà, on va passer du coup au jour 2. Donc le deuxième jour, moi ce que j'ai noté en conférence principale que j'ai retenu, c'était la conférence de Swissborg. Donc je vais un peu expliquer ce qu'il y a eu parce qu'il y a eu une putain d'annonce en vrai de Swissborg. Donc de base, et donc il y a eu Cyrus et un autre gars de chez Swissborg qui ont parlé. Cyrus, c'est le CEO, un des deux cofondateurs de Swissborg. Et il a annoncé du coup, en plus en toute honnêteté, c'était vraiment cool. Il a dit qu'au début, il aimait pas forcément Solana, il n'était pas persuadé du coup du tout, et qu'en fait, au fur et à mesure du temps, il a changé d'avis. Déjà, il a cru que c'était mort à la chute de FTX, et qu'au fur et à mesure du temps, il a remarqué que, vu la communauté qu'il y avait, les builders qu'il y avait et tout, en fait, il avait complètement changé d'avis, et aujourd'hui, il pensait que Solana allait devenir un très très gros truc dans le Web3. Clairement, aujourd'hui, il y en a énormément d'acteurs du Web3 qui se positionnent comme Solana va devenir la troisième grosse blockchain, en gros, après Bitcoin et Ether. C'est ça l'idée. Donc voilà, et donc pendant cette conférence, l'annonce importante qui a été annoncée, c'est que déjà aujourd'hui ça fonctionne sur Swissborg. Lorsque vous faites un achat de crypto, eh ben vous savez, il y a le Smart Engine, c'est un truc qu'ils ont développé eux-mêmes, ça va automatiquement chercher sur plusieurs plateformes les cryptos au meilleur prix. Eh ben là, avant, ça faisait uniquement sur des sexes, donc sur des échanges centralisés. Et là, depuis Breakpoint, ils ont instauré ça également sur des DEX, donc sur des exchanges décentralisés. Et il y a aussi des agrégateurs, non pas des agrégateurs, mais aussi des protocoles de finances décentralisées où du coup le Smart Engine de Swissborg est capable d'aller chercher. Donc par exemple, il nous a montré l'exemple en live. Si vous achetez le HNT, je crois que c'était Helium, un truc comme ça, enfin bref, si vous l'achetez, et ben directement Swissborg est capable d'aller acheter sur Orca en fait. Donc Orca a un protocole de finances décentralisées. Donc c'est quand même assez extraordinaire et assez impressionnant. On voit un exchange centralisé qui permet maintenant d'aller acheter ses cryptos en DeFi, donc qui intègre la DeFi, qui intègre tout ça à tout en fait. Et moi je trouve ça vraiment génial, c'est une super grosse annonce, ça a été extrêmement bien pris par tout le monde. Donc voilà, ça c'était super cool. Il y a eu aussi la conférence d'Orca, moi je l'ai ratée, et je crois qu'il y a eu la conférence de Jupiter ou alors c'est le jour suivant. Est-ce qu'il y a d'autres conférences qui t'ont marqué ce jour-là, toi, Floki, ou pas?
Alors, je vais juste revenir vite fait sur Swissborg parce que oui, ça a été. Enfin, je veux dire, Swissborg, moi, j'ai pas vraiment connu ou je l'ai pas utilisé parce qu'en vivant en Australie, bah, j'y ai pas accès. Mais du coup, je suivais un petit peu de loin et là, justement, ce qu'ils ont annoncé, c'est vraiment assez pas révolutionnaire, mais c'est ça apporte quelque chose à l'écosystème assez big, hein, comme tu dis, de pouvoir aller chercher les meilleurs prix, que ça soit sur les échanges centralisé ou même maintenant sur les décentralisés, etc., chercher le meilleur prix, pardon, et au plus rapide, c'est vraiment assez fou. Et justement, ils veulent continuer dans cette optique-là. Et le fait justement qu'ils disent dès le début et qu'ils se cachent pas de dire bah, que Solana, ça les intéressait même pas du tout au début et qu'ils n'aimaient pas tout simplement. Mais quand ils ont vu qu'après FTX et que Solana a gravement chuté, mais que la communauté était encore là, que ça continuait à builder et que ça a continué, que l'exchange et que la communauté était énorme, qu'ils ont commencé à s'y intéresser et que bah, ils ont vite compris que Solana pouvait être intéressant au futur, sur le futur avec quand même Solana, faut le dire, hein, c'est des échanges très très rapides avec des fees très 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 bas. Donc ce qui est assez imbattable maintenant et du coup c'est vraiment cool de voir Swissborg qui cette grosse entité qui s'intéresse justement à Solana et qui met complètement les deux pieds dedans comme là on a vu, je sais pas si vous avez suivi les annonces depuis une semaine ou deux après le breakpoint de Swissborg qu'ils ont complètement mis les deux pieds dans l'écosystème Solana à fond de balle, même avec Stepn ou avec d'autres projets, et c'est assez fou et c'est cool de voir ça, ouais. Après, sinon, justement, dans l'après-midi, ils ont fait un talk justement au niveau de la DeFi, sur le futur de la DeFi. Est-ce que la DeFi pourrait revenir sur le devant de la scène comme au dernier bull run? C'était un talk vraiment assez intéressant avec six participants vraiment assez gros de l'écosystème. Donc, il y avait encore Sirius, le CEO de Swissborg. Il y avait, je ne sais plus son nom, mais la CEO de Orca. Il y avait aussi un gros acteur sur Solana au niveau du market maker. Et deux, trois autres assez gros, je ne sais plus leur nom, je veux pas dire de bêtises, mais ils ont échangé comme ça pendant 30-40 minutes sur le futur de la DeFi, et c'était vraiment intéressant de voir ces gens de l'écosystème parler justement du futur de la DeFi, à quel point il y a possibilité de revenir. De revenir comme au bull run précédent, et même plus que ça. C'est vraiment très très intéressant. Si vous êtes intéressé, etc., pour tout ça, n'hésitez pas à aller sur la page officielle YouTube de Breakpoints. Il y a tous les lives, toutes les retransmissions, etc. Et là, si ça vous intéresse, bon, bien sûr, c'est en anglais, mais c'est super intéressant justement d'écouter ces acteurs-là parler et de. C'est des acteurs qui savent ce qu'ils font. Ils sont dans Solana depuis le début. Ils sont dans la crypto depuis déjà deux, trois cycles. Donc ils savent ce qu'ils disent, ils savent de quoi ils parlent et c'est super intéressant. Donc ça, c'était pour moi les deux vraiment les deux grosses conférences intéressantes. Et sinon, comme tu as dit, il y avait Orca où j'ai pu participer et j'ai vu le talk de Orca où là, c'est un peu plus technique, c'est un peu plus sur leur échange, etc. Ils ont fait une grosse annonce au niveau de l'analyse technique, si je peux dire. Donc là, ça devient vraiment technique, mais en gros, ils ont intégré un nouveau outil à leur DeFi sur leur website. Donc là, c'est très technique, mais en gros, qui facilite vraiment la DeFi sur Orca. Donc c'était vraiment intéressant. Ouais, Orca, je sais pas si vous utilisez, mais c'est vraiment un très très gros protocole DeFi du coup sur Solana. Je vous recommande d'aller tester pour faire des swaps par exemple. Et sinon, moi j'avais fait une vidéo dessus récemment. J'utilise beaucoup Jupiter. Ils ont aussi fait des talks pendant la conférence. C'est un agrégateur en fait. Quand vous faites un swap Jupiter, il va automatiquement vous swapper du GMT et bah boum, il va prendre 30% par exemple qu'il va aller chercher sur le DOR de Stepn, 30% sur Orca, 30% encore sur encore un autre. Et en fait, il vous donne le meilleur taux. Donc c'est des outils assez cool à utiliser quand vous voulez faire vos swaps. Et
du coup, juste encore pour revenir une dernière petite chose par rapport à Swissborg, parce que du coup, moi j'étais sur place et il y avait Cyrus que je connais, que je commence un peu bien à connaître en vrai, et du coup, il y avait Shitty aussi, et j'ai réussi un peu à combiner un meeting pour qu'ils se rencontrent. Donc j'ai été précurseur, j'ai organisé tout ça, et donc à la suite de ça, effectivement, il y a eu un petit partenariat qui s'est fait. En fait, on en parlait déjà avant ça, donc je vous sors une vidéo demain pour tout vous expliquer, mais en gros, il y a un gros giveaway de genre 30 000 USDC, je crois, de valeur de Swissborg. Et en fait, Stepen participe. Stepen a filé 4 shoebox uncommon. Donc, vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui sort demain sur la chaîne pour vous expliquer comment faire. Ça prend vraiment 5 minutes à faire. Donc voilà. Et aussi, c'était trop cool parce que moi, pour moi, de pouvoir être avec Shitty, avec Lucas, avec Cyrus de Swissborg et encore d'autres gens, de pouvoir assister à cette réunion, c'était hyper formateur pour moi et j'ai vraiment vraiment apprécié d'avoir fait ça, et j'étais trop content aussi que le feeling se passe bien. Donc je sais pas s'il y aura d'autres choses à venir que ce partenariat, peut-être pourquoi pas le GMT listé sur Swissborg, et peut-être encore d'autres choses, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'étais super fier et content de faire ça parce que c'était un peu entre guillemets mon objectif, vu que c'est pour moi deux projets vraiment que j'apprécie énormément. Donc voilà. Et sinon, après ça, le soir, on a été à l'event OK Bears. Donc ça, c'est aussi une assez grosse collection NFT sur Solana en vrai. Ils avaient un floor price qui était assez énorme à un moment. Là, ils sont bien redescendus depuis. Je vais aller checker leur max de floor price. Là, en ce moment, ils sont à 15 sols de floor price. Bah vas-y, si tu veux, je te laisse commencer pour dire ce que tu as pensé de l'event OK Bears. Mais franchement, très moyen, non? Ouais, alors moi j'étais vraiment déçu parce que bon déjà moi je suis pas un aficionados des NFT, je suis un petit peu de loin, mais voilà, je suis pas un dégène NFT comme beaucoup le sont. Du coup au Québec, je connaissais de nom pardon, je connaissais de nom et j'avais vu que ça avait bien pumpé sur le dernier bullrun, etc. Et même encore il y a encore un an que ça y allait, quoi, qu'ils ont même fait un gros event à New York, au Breakpoint New York, il y a quelques mois de ça. Du coup, quand c'est à toi, c'est toi qui m'as dit, vas-y, il faut un event, prends, vois si tu peux avoir un ticket, etc. Ouais, Du coup, ben, je me suis... parce qu'on a acheté le billet pour l'event là, ouais. Ouais, exactement. C'est le seul event qu'on a acheté le billet parce que on n'était pas holder. Mais du coup, c'était pas très cher, c'était une trentaine de dollars, quelque chose comme ça, et on s'est dit c'est un side event, donc ça va envoyer du lourd. Et vu que c'est au Québec, on s'est dit ça va envoyer du lourd. Et on arrive dans ce lieu un peu VR, vidéo game, comment on peut appeler ça, où en fait tu peux venir et jouer à des jeux VR, etc. Donc tu payes quelques dollars et tu joues à des jeux VR avec tes potes, etc. Donc c'est sympa, mais l'ambiance n'était pas foufou. Déjà, il y avait trois parts de pizza qui se battaient en duel. On n'avait pas, il y avait pas, il y avait rien à boire, etc. Il n'y avait pas de speech pour dire oh, bienvenue, etc. Enfin, tu vois, c'était vraiment comme moi, honnêtement, mon ressenti, c'était j'avais 12 ans, j'ai un pote de ma classe qui m'a invité à son anniversaire un mercredi après-midi. Et c'était là-dedans, quoi. Tu vois, un peu comme au bowling, tu vas en bowling le mercredi après-midi avec tes potes pour l'anniversaire, et voilà. Et je me suis vraiment senti comme ça. Et honnêtement, on était un bon petit groupe de potes. Heureusement qu'on se connaissait et qu'on a bien rigolé tous ensemble. Mais en soi, c'était pas foufou, quoi. Enfin, moi, c'est un de mes pas de regrets, mais c'était pas une de mes meilleures soirées, quoi. C'était Ouais, décevant, on va dire. Pour ouais, de... cette collection, ouais, c'était décevant. ouais, clairement, complètement d'accord avec toi. Après, si ça avait été durant une après-midi, ça aurait été assez sympa parce qu'il y avait des petits jeux, c'était assez cool. Mais c'est clair que pour une soirée, c'était pas du tout satisfaisant. Après, je pense qu'aussi, peut-être Bear Market, ils avaient pas énormément de budget. Donc, bref, ça reste une collection NFT, c'est pas non plus un énorme acteur de Solana. Mais c'est quand même, je viens de checker leur floor price, ils étaient montés quand même à 80 Solana. Donc, c'est quand même vous dire, c'était quand même une grosse collection NFT à un moment. Là, c'est retombé à 15. Et voilà, après, je démonte pas du tout la collection. Les mecs, ils avaient l'air sympas et tout. Mais bon, voilà, on l'a dit, c'était Non, pas non, ouais, extraordinaire. c'est ça. Les gens étaient quand même sympas, mais voilà, pour une collection, comme tu dis, qui est montée à 80 sols de floor price, et je crois quand c'est monté à 80, le Solana était encore à 100 dollars. Tu vois, c'était quand même une grosse collection. Ils ont fait un gros événement à New York il y a quelques mois. Moi, je m'attendais à quelque chose de différent, tu vois. Je m'attendais pas non plus à un truc de fou comme Clénosaur ou quelque chose comme ça, mais je m'attendais à quelque chose. D'un peu plus gros, un peu plus dégène, comme ils ont tout le temps à le dire, etc.
Et même, il n'y avait pas tant de monde que ça. Bon, c'était cool, du coup, qu'il n'y avait pas grand monde parce que on pouvait discuter, etc. Mais il n'y avait pas grand monde, quoi. C'était pas la soirée, quoi. Mais après, voilà, c'était sympa. J'ai rencontré beaucoup de holders qui sont dans l'écosystème Okeber depuis le début. Et eux, ils étaient bien contents, justement, de pouvoir tous se rencontrer en tant que holder, etc. Donc, non, c'était quand même, on va pas cracher dessus, mais voilà, c'était un peu décevant de mon point de vue. Mais c'était déjà bien qu'ils organisent quelque chose. Ouais, non, mais tout à fait d'accord. Et du coup, le même jour, en fait, de base, il y avait la partie, la Magic Eden Party, c'était une yacht party, mais c'était extrêmement difficile d'obtenir les tickets, malgré que Floki et moi, on ait vraiment cherché, on se soit battu, on n'a jamais réussi à avoir de tickets. Donc, on était un peu deg, mais on a eu des échos comme quoi c'était vraiment, enfin, c'était extraordinaire, mais c'était, il y avait beaucoup trop de monde, en fait, c'était pack de ouf. Les gens, il y avait 100 personnes, je crois, qui ont fait la queue dehors. Ils ont dû fermer le bateau parce qu'il y avait trop de monde. Les 100 personnes qui avaient ce ticket ont dû rentrer chez elle. Donc bref, c'était un peu carnage, mais c'était vraiment le gros événement de Breakpoint. Un peu triste de pas y avoir été, mais bon, c'est comme ça, il y en avait d'autres. Ensuite, du coup, ouais. Ouais, je voulais juste revenir dessus, ouais. C'était censé être la soirée la soirée de toutes les soirées du Breakpoint, quoi. Ça, c'était censé être le feu, mais ouais, comme tu as dit, en fait, il y avait beaucoup trop de tickets qui ont été distribués pour la capacité du bateau. Donc même le bateau n'a pas pu n'a il restait à quai, en fait. Le bateau n'a même pas pu aller se promener à droite à gauche dans Amsterdam parce qu'il y avait trop de monde capacité trop grosse et les gens étaient assez packs. C'était un peu plus en mode boîte de nuit vraiment paquet que c'est un peu dur de bouger etc. Il y a quand même eu des bons échos, c'était quand même assez sympa si t'aimes bien ce genre de soirée, mais finalement pour la soirée la plus attendue, bah, beaucoup de monde ont été déçus malheureusement. Donc moi j'étais pas trop déçu finalement d'y être allé, et puis on a passé l'après-midi, la soirée, pardon, dans la ville Amsterdam avec toi, oui, mais on a bien rigolé plutôt, donc c'était plutôt sympa de chill aussi un peu, faire une soirée un peu plus tranquille, quoi. Ouais, carrément, carrément. En plus, ça a changé. Puis comme ça, on a vu un peu la ville. Sinon, au final, entre la conférence et les events, on n'aurait rien vu de la ville. Donc, c'était cool. Voilà. Donc, après, le jour suivant, c'était l'event de Drip, il me semble. On a oublié de vous dire aussi, mais il y avait plusieurs, du coup, bâtiments. C'était une sorte un peu des entrepôts, des anciens entrepôts, je sais pas, d'une ancienne industrie qui a complètement été réhabilité. Et il y avait, je sais pas, au moins 5-6 bâtiments réquisitionnés pour Breakpoint. Et bon, niveau temps, on a eu un temps exécrable, mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, il y avait tout un spot où il y avait des booths, des stands, avec du coup plein de projets, de collections qui étaient là. On va vous donner peut-être un ou deux alphas sur des petits trucs qu'on a vus assez sympas. Je sais pas si toi, t'en as Floki. En tout cas, il y avait Mad Lads qui était là avec le projet Backpack. Rapidement, pour ceux qui connaissent pas, Mad Lads, c'est une des plus grosses collections, si ce n'est la plus grosse collection NFT de Solana. En tout cas, c'est celle maintenant qui a choisi de représenter vraiment les collections NFT sur tout Solana. Tu as des petites choses à ajouter, toi, par rapport à Backpack, parce que je crois que tu étais à la conférence aussi, que moi j'ai raté du coup. Ouais, alors Backpack, gros écosystème, focus sur le wallet décentralisé, comme un peu Fantôme, MetaMask. Backpack, bon, qui existe depuis déjà un peu plus de 2 ans, qui ont pris un gros coup avec l'affaire FTX, où pour quelques raisons, ils ont levé leur fonds, ils étaient backés par FTX, à la chute de celui-ci, ils ont malheureusement perdu. Plusieurs millions de dollars. Ils ont perdu 90% de leurs fonds. Donc après, ils ont galéré, ils savaient pas quoi faire, etc. pour justement remonter la pente, en sachant qu'on était parti dans un gros bull run, dans un gros bear market, pardon. Et c'est là qu'ils ont sorti leur collection NFT Mad Lads, qui a fait plutôt le buzz sur Solana et qui fait toujours le buzz d'ailleurs. Donc là, eux, ils ont fait des grosses conférences. Ils étaient aussi partenaires du Solana Breakpoint, donc ils étaient partenariat pour l'organisation, etc. Ils ont fait plusieurs annonces au niveau de leur wallet, justement, qui est maintenant disponible sur iOS et Android en app. Donc, ce qui est vraiment intéressant. Et là, ils commencent à justement vouloir créer un exchange, un peu avec un mix entre décentralisé et centralisé, et en même temps l'adapter à leur wallet, faire une espèce de super app où tu vas pouvoir trouver justement ton wallet avec ta clé privée, ta seed privée, et en même temps
avoir un exchange à l'intérieur. Donc, ils nous ont pas vraiment dévoilé les backstage, etc. Ils nous ont juste drop l'annonce un peu comme ça et nous dire, voilà, on travaille sur quelque chose de gros. Ils travaillent, je crois, sur 150 ou 160 pays différents où ils ont déjà eu des agrégations, etc. Donc, voilà, l'écosystème Backpack Mad Lads qui est attaché est plutôt comment en train de créer quelque chose pour le futur, donc à voir où ça va aller, ouais. Ouais, puis moi j'y crois bien quand même parce que grosse team. Bon, après pour le moment, c'est sûr qu'il n'y a que un wallet de créer avec un peu plus. Bon, ils ont déjà fait quand même des choses assez extraordinaires. C'est sur les App Store et tout. Bon, c'est cool. Mais voilà, je pense qu'il faudra attendre de voir ce qu'ils font par la suite, l'exchange, etc. Voir, je sais pas si c'est déjà en route, je crois pas. Mais en tout cas, ça fait partie des gros acteurs aujourd'hui sur Solana. Ensuite, du coup, le jour suivant, il y a eu l'event de Drip House. Donc évidemment, je pense que vous connaissez tous Drip House, ils ont fait le partenariat avec Stepn, c'est le projet qui distribue des NFT gratuits tous les jours. Drip, je crois que c'est vraiment avec Stepn, c'est le projet sur Solana qui a la plus grande croissance, qui se développe le plus rapidement. Donc c'est clairement aujourd'hui un très très gros acteur sur Solana. En plus, ce qui fait trop trop plaisir, c'est que quand ils avaient fait le partenariat avec Stepn, ça s'était ultra bien passé pour les deux projets. Genre à la fois nous, on leur avait rapporté, je crois, 250 000 nouveaux wallets d'inscription et eux, en retour, ils nous avaient rapporté je sais plus combien lors des raffles et tout, enfin bref, c'était hyper bénéfique. Ils nous avaient rapporté aussi des nouveaux utilisateurs, etc. Donc c'était vraiment un énorme partenariat qui avait fait beaucoup de bruit, donc c'était trop cool. Et ce même jour, du coup, on peut déjà parler de l'event de Drip. T'as été, du coup, ils ont fait un event un peu privé où ils avaient loué carrément un bâtiment et il y avait aussi des petites conférences chez eux. Ah, j'ai pu croiser Vibou, du coup, le fondateur de Drip. C'est vraiment un mec super. Je sais pas si t'as autre chose à rajouter par rapport à l'event de Drip, Floki. Drip, vraiment un des gros événements, side événement du Breakpoint, mais dans la conférence, donc c'est-à-dire que c'était sur le même, dans les mêmes bâtiments, dans le même lieu que la conférence, et c'était toute la journée où justement ils avaient un peu leur, en fait, Drip House, ils ont fait un peu leur mini conférence dans la Solana Convention. Donc c'était toute la journée avec la participation de créateurs, etc., de Drip. Qui venaient parler un peu de leur projet, de ce qu'ils font, etc. Parce que bon, Drip, c'est vraiment focus sur les créateurs, sur mettre en avant les créateurs, que ça soit des artistes musicaux, que ça soit des artistes peintres, que ça soit même des sportifs ou quoi que ce soit. Ils veulent mettre en avant les créateurs où on sait aujourd'hui que c'est difficile pour un créateur de se mettre en avant, que ça soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Sur Spotify, sur Deezer, etc. Enfin, c'est très, très dur de se faire connaître en tant que créateur, que ce soit dans n'importe quel milieu, parce qu'il y a tellement maintenant de monde, en fait, sur les plateformes. Hein. Si, par exemple, tu prends au niveau de la musique, je crois qu'il y a 80 000 nouvelles musiques qui sont ajoutées tous les jours sur Spotify. Donc, tu vois, si tu es un petit créateur, c'est très, très dur de se faire connaître. Donc, Drip, justement, avec leur free NFT, tous les jours en distribution, ils veulent justement faire connaître ces créateurs-là. Et comme tu as dit, en un an de temps, donc ça fait que un an, hein, et en plus ils ont créé leur business, on va dire, leur projet pendant le bear market. En un an de temps, ils ont déjà récolté plus de 800 000 wallets indépendants, donc ce qui est énorme. Ils ont plusieurs millions de fees en trade, parce que les NFT sont beaucoup échangés aussi sur le marché secondaire en NFT. Donc ils arrivent à se faire vraiment beaucoup beaucoup de ils arrivent à attirer énormément justement de personnes et des entités. Et bien sûr, ils ont le bon speech, on va dire. Le speech est facile, c'est connecte ton wallet et tous les jours on t'envoie un NFT gratuit. Tu vois, c'est vraiment quelque chose d'assez facile à comprendre pour tout le monde, et justement d'arriver à connaître cet écosystème NFT et de pouvoir voir tous ces créateurs, etc. Et c'est assez impressionnant ce qu'ils proposent. Et oui, j'ai fait justement la convention comment, le talk de Vebu, donc le créateur de Drip, où il a annoncé là pendant 30 minutes. Il a fait que des annonces assez incroyables que vous pouvez toutes retrouver sur le Twitter officiel de Drip.
où justement là ils vont sortir leur app, leur application dans quelques semaines, quelques mois, qui va arriver, où vous allez pouvoir retrouver ben, justement tous vos NFT, les futures collections, le vault qu'ils appellent ça, où vous pouvez pouvoir ouvrir votre coffre et essayer d'avoir un legendary ou un rare NFT pour la prochaine distribution. Ils ont annoncé des gros partenariats, les partenariats duo, bah, qu'on a pu voir en place justement toute la semaine dernière avec Stepen et Degen Poet, qui a été un gros succès aussi. Et justement, ce duo permettrait aux grosses entités à faire connaître les petites entités justement. Donc, par exemple, une entité comme Stepen se mettre en collaboration avec un petit créateur qui a 5, 6 000, 7 000 followers sur Twitter, etc. Et ben justement de mettre ces deux entités ensemble et essayer justement de faire comment de mélanger les communautés et d'apporter du monde sur chaque projet, etc. et de mettre la lumière sur les petits projets. Donc c'est vraiment cool. Ils sont en train de construire quelque chose d'assez fou et à une vitesse record pour un bear market, quoi. C'est vraiment, vraiment cool. C'est clair, c'est vraiment très très intéressant ce qu'ils font. Et je vous invite, ceux qui sont sur Drip, je pense que tout le monde y est. Si vous n'y êtes pas, vous pouvez demander des codes dans les commentaires. On a tous des codes à distribuer. Ils mettent ce système de codes pour éviter qu'il y ait des bots en fait qui viennent. Et d'ailleurs, si vous êtes sur Drip, il faut se connecter tous les jours sur Drip parce que sinon, si vous ne vous connectez pas tous les jours, au bout d'un moment, vous n'allez plus recevoir les NFT. C'est pareil, c'est pour éviter les robots, tout ça. Donc voilà, et si vous recevez des NFT gratuits, c'est ce que je voulais dire. Si jamais par exemple vous aimez bien, je sais pas, que ce soit le côté artistique ou que vous aimez bien le truc d'un jeu, si c'est un jeu, et ben je vous invite en fait à aller voir, vous intéresser au projet parce que comme ça vous pouvez découvrir des choses, découvrir des fois des petits projets en fait dans l'écosystème. Et c'est grâce à ça que si jamais vous découvrez un projet et qu'ensuite vous décidez par exemple d'acheter un petit NFT qui est pas très cher, et ben vous pouvez être early et vous pouvez en fait faire des bonnes plus-values comme ça. Donc voilà, ça va pas arriver avec tous les projets qui distribue évidemment, mais je vous invite un petit peu à checker, à rester à l'affût de tout ça parce que ça peut être intéressant. Ensuite, le même jour, du coup, il y a eu la conférence de Star Atlas. Donc, Star Atlas, pour ceux qui connaissent pas, c'est depuis le début de Solana, on en parle. C'est un très, très, très gros projet, très ambitieux, 100% gaming, qui veut faire un énorme truc dans l'espace. Vraiment, voilà, ils ont une très, très grosse idée derrière. Moi, du coup, j'ai pas assisté à la conférence. Floki, tu vas nous dire juste après si tu as assisté et ce que tu as pu en retirer. Mais moi, globalement, d'en avoir discuté avec les gens, etc., beaucoup de monde sont hyper bullish sur Star Atlas. Mais ça va prendre encore énormément de temps à développer parce que leurs ambitions sont énormes. Et visiblement, voilà, bear market, mais eux aussi, ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens à l'heure actuelle. Donc voilà, tout prend du temps et ça va mettre encore quelques années à se développer, si j'ai bien compris. Je sais pas si toi, tu as plus d'infos par rapport à Star Atlas. Ouais, alors moi je suis de très 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 loin Star Atlas. J'en ai toujours entendu parler, mais jamais vraiment rentré dedans. Mais du coup, je suis arrivé à la talk qui était sur la scène principale. Déjà, c'était incroyable de voir la scène principale aussi pleine. On voyait vraiment que Star Atlas a vraiment amené du monde. Et honnêtement, leur présentation, c'était genre grosse présentation de jeux vidéo triple A sur la scène E3 par exemple, vraiment grosse vidéo, longue vidéo qui te présente les nouveautés, etc. Et pendant 30 minutes, honnêtement, ils ont fait que des annonces, que des annonces, que des annonces, que des annonces. Moi, j'étais bah, dans le public, alors je comprenais pas tout parce que justement, j'ai pas le nez dedans toute la journée. Mais le public était à fond, ça criait, ça applaudissait à chaque fin de vidéo trailer, ça applaudissait, ça criait, enfin on voyait vraiment que l'engouement était là et que les fans étaient là. Après voilà, moi mon sentiment c'est parce que j'ai pu parler avec justement des gens de Star Atlas ou ex-personnes de Star Atlas il y a quelques mois, bah, Bear Market oblige. Star Atlas a viré, si on peut dire, ou s'est séparé de 150 personnes travaillant sur le projet Star Atlas. Et là, moi, en parlant justement avec cette personne qui m'a raconté un peu tout ça, etc., et voir cet événement et toutes les annonces qu'ils ont faites, je suis un peu sceptique parce que honnêtement, toutes les annonces, c'est gros. Tu sais qu'il faut du monde pour travailler dessus. Est-ce qu'ils vont arriver à tout sortir à temps? J'en suis pas sûr. C'est très prometteur, mais
J'ai peur que ça soit un peu trop gros, tu vois, qu'ils aient des trop grosses, comment on dit, des trop grosses Ambition. expectations, ambitions, pardon, merci, des trop grosses ambitions pour justement le nombre de personnes et de qui travaillent sur le projet. Donc à voir, tu vois, ils ont aussi annoncé un move to earn, mais qui serait pas comme Stepn ou quoi que ce soit, qui serait vraiment avec le jeu, donc où en fait en ayant ton personnage sur ton téléphone et en marchant tous les jours ou quoi que ce soit, tu montes l'XP de ton personnage et ton personnage devient plus fort dans Star Atlas. Voilà, c'est pas encore sorti, mais ils ont fait des grosses annonces comme ça. À voir par la suite. Je pense que ça peut être très intéressant, mais à voir au niveau du financement, etc. Et sur vraiment la réalité des annonces qu'ils ont faites. Mais on voyait vraiment l'engouement des gens et du public pour Star Atlas, c'était vraiment impressionnant. Ouais, bah encore une fois, je vous ai mis le lien de la conférence de Star Atlas en commentaire, donc vous pouvez checker ça. Et ouais, bah en fait, le fait qu'ils aient quand même une grosse communauté qui soit derrière, c'est quand même ultra important, hein. On est dans le Web3. Bon, l'argent, forcément, la période aussi, c'est un peu la même chose pour tout le monde, même s'il y a des projets qui galèrent moins que d'autres. Mais l'argent reviendra aussi plus facilement en boule. Donc voilà, peut-être intéressez-vous à Star Atlas si vous ne vous y êtes pas encore intéressé, parce que c'est potentiellement quand même un gros projet futur à venir sur Solana. Donc voilà. Après, de ce même jour, le soir, il y avait l'event Bodogos. Donc Bodogos, c'est ma PFP, pour ceux qui connaissent pas, c'est un gros média en fait américain qui ont lancé une collection NFT de petits chiens. Donc moi je voulais absolument y aller parce que c'est des mecs que je passe énormément de temps depuis des mois en fait sur les réseaux, ils font des space tous les jours tout ça. Donc franchement j'étais super content, c'est dans un bar en mode happy hour, on pouvait pas mal discuter. On était aussi avec les potos de Stepen, il y avait Cozy, Diego, Eddie Flip. Qui c'est qu'il y avait encore Edgar, Crypto Edgar pour ceux qui connaissent. Donc on a pu aussi vraiment beaucoup parler de Stepen, passer du temps tous ensemble à ce petit event, c'était cool. Après ça, il y avait l'event Mad Lads. Donc nous, on est arrivé un peu tard parce qu'on est resté jusqu'à la fin en fait à Bodogos. Et du coup, on est arrivé un peu tard à Mad Lads. Et en fait, on comprenait pas, mais les gens, quand on est arrivé en gros un quart d'heure après, les gens commençaient grave à partir. Et nous, on est resté en gros jusqu'à la fin. Et quand il n'y avait plus trop de monde, on est parti. Et après, pour rentrer, on s'est fait bloquer. En fait, il n'y avait plus de bateau parce que c'est de l'autre côté de la rivière. Il n'y avait plus de bateau pour rentrer. Donc, on a dû prendre un Uber, faire tout le tour. Enfin, bref, du coup, on a compris pourquoi tout le monde était parti. Mais c'était quand même super sympa. C'était tout un bâtiment loué avec plusieurs DJ. Enfin, bref, aussi, on a eu une super conversation avec un Français qu'on a rencontré là-bas qui était trop cool. Donc, voilà, c'était quand même une bonne petite soirée. Et ouais, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça ou pas forcément toi? Ouais, non, non, super, super soirée qui s'est finie très très tard de mon côté, mais super cool Bodogos. Moi je connaissais pas, c'est toi qui m'y as amené et justement j'ai rencontré pas mal de monde trop trop sympa. J'ai finalement rencontré Cozy avec qui on avait déjà parlé pas mal de fois, etc. Et moi je l'avais jamais vu, je ne savais même pas à quoi il ressemblait. Et à un moment j'entends hey, Floki, Floki, et je me retourne, je regarde et je comprenais pas, tu vois. Et en fait c'était Cozy, donc trop 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 bien. On était avec toute la team parce que du coup, pour vous remettre un peu le contexte, si vous connaissez Eddie Philippe, pardon, Diego, Maria Philippe aussi, et Crypto Edgar. Crypto Edgar, pardon. Voilà, on était tous un peu cette team qu'on se suivait tous les jours. Tous les jours, on était tous ensemble, on allait aux mêmes soirées, etc. Enfin, vraiment la bande, grosse bande de potes. Et on s'est tous retrouvés à l'event. Donc, c'était vraiment, vraiment méga cool. Et la soirée Mad Lads qui était vraiment sympa aussi. Alors, c'est sûr, petite péripétie à la fin où on s'est retrouvé bloqué, mais c'est ça qui est marrant. Mais vraiment le lieu était cool, etc. Plein de merch. On a eu des t-shirts, on a eu des pulls, on a eu des bonnets de partout. Enfin, on est rentré avec une valise qui faisait deux fois la taille qui avec laquelle on est arrivé. Mais vraiment belle soirée, vraiment très très cool. Et sinon, je voulais juste revenir vite fait quand on parle justement de la conférence, etc. Donc toute la journée, on n'était pas que sur les stages à écouter les talks, etc. On était aussi dans les community hubs, par exemple, où là, il y avait plein de petits projets où qui avaient des petits stands ou qui présentaient leurs projets. Donc on se promenait un petit peu, on allait discuter avec beaucoup de gens, on a passé pas mal de temps dans le coin un peu relax. Où là, bah, tu peux discuter avec plein de monde, t'as un petit peu de musique en fond, c'est vraiment cool pour échanger. Donc, tu vois, toute la journée, en fait, on se promenait entre les talks,
qui était intéressant ou non, ça dépend de toi ce que tu voulais écouter, et entre discuter avec les gens, aller manger un morceau, se poser quelque part, discuter, travailler un petit peu, donc voilà, toute la journée c'était vraiment espacer et faire plusieurs choses, donc c'était vraiment cool. Ouais, et bah du coup, je vais te demander juste après, je vais d'abord dire moi, et après, je te demande si tu as eu un coup de cœur ou alors qu'il y a un projet justement comme ça que tu as pu découvrir et que tu as aimé. Moi, il y en a deux, il y en a une, c'était une artiste créatrice, etc. J'ai fait une vidéo avec interview, donc ça sortira sur ma chaîne. Et la deuxième chose, c'est un projet gaming. Les personnes de ce projet parlaient tous français, seulement je sais plus si c'était des Français ou des Belges, il me semble que c'était des Français. Je vous mets aussi, là, je suis en train de le faire, je vous mets le lien du coup de ce projet, pareil, en commentaire. Franchement, intéressez-vous-y, je pense, ou du moins jetez juste un oeil parce que ça a l'air vraiment cool. C'est un projet de pirate en fait, ça s'appelle Bully's Crew. Et il y avait des vidéos, il nous montrait un peu aussi le jeu, comment il avait l'air et tout. Et ça avait l'air vraiment, vraiment cool. Donc, moi, je crois vraiment à ce petit truc. C'est un peu le coup de cœur, on va dire, que j'ai eu en termes de projet gaming sur place. Donc, voilà, je vous ai mis le lien. Je vais vous remettre aussi le petit hashtag comme ça, vous allez pouvoir aller voir le Twitter. Mais moi, c'était vraiment un truc que j'ai kiffé. Est-ce que toi aussi, il y a un projet comme ça, un alpha, un truc que tu as découvert, que tu trouves qu'il y a du beau potentiel? Alors moi déjà j'ai eu des milliers de coups de cœur parce que bon, c'était ma première convention, contrairement à toi ou qui en a déjà fait plein. Donc moi c'était ma première convention et de voir justement tous ces gens de l'écosystème qui sont cool, tu vois, qui sont cool. On est tous dans le bear market en même temps, etc. Du coup parler avec plein de personnes différentes, que ça soit des NFT, des projets de jeux vidéo, que ça soit des projets de développeurs sur la blockchain. Que ça soit sur la DeFi et quoi que ce soit, c'était vraiment 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 cool. J'ai discuté avec énormément de monde de tous les horizons et c'était j'ai eu des coups de cœur un peu vraiment partout. Mais sinon mon gros coup de cœur projet, voilà, c'est Bully's Crew aussi. Pourquoi? Parce que moi Bully's Crew, je les connais déjà depuis un petit bout de temps avant qu'ils sortent leur collection NFT. Donc ça fait déjà un moment que je les connais et que je suis leur projet. Assez de loin parce que voilà ça reste du NFT etc. et j'ai pas trop trop le temps de m'y intéresser mais je continuais à les voir et en fait il y a quelques mois ils ont fait le mint de leur collection qui malheureusement était assez décevante pour eux parce que il n'y a pas eu tant de mint que ça le mint était un peu cher on était en plein bear market le Solana s'effondrait c'était juste après FTX c'était compliqué. Donc ça a été très très compliqué pour eux. Ils ont mint, je crois, peut-être 15% de leur NFT. Donc c'était vraiment, tu vois, pour un projet NFT, c'était vraiment assez décevant pour eux, pour ce qu'ils étaient, pour ce qu'ils voulaient faire. Mais de les voir justement encore plusieurs mois après ça, bah, continuer à créer et à justement à créer plus que jamais, à être présent à Solana Breakpoint toute la journée. À avoir un stand justement où la team était là, la team était présente, discutait avec tout le monde. C'était vraiment cool. C'est en plus c'est Cocorico, hein, c'est notre petite team française. Ils sont français, ils viennent bien de chez nous, donc c'est vraiment cool et de voir qu'ils continuaient à, ils sont acharnés, tu vois, ils veulent, ils savent ce qu'ils ont en tête. Il y a eu, moi ils m'ont parlé de beaucoup de choses. Je peux pas en parler parce que c'est un peu alpha, c'est même très alpha, mais de ce qu'ils veulent faire, mais il y a vraiment du gros potentiel. Allez checker, même leurs NFT sont vraiment cool. C'est du NFT 3D animé. C'est vraiment, vraiment cool. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Allez suivre. C'est vraiment petit projet cool qui a besoin de la communauté. Ils ont déjà une communauté qui est assez, qui est vraiment cool et qui est à fond dedans, qui sont derrière eux. Mais voilà, si on peut essayer d'augmenter cette communauté et d'avoir plus de personnes derrière. Je pense que c'est vraiment un projet intéressant qu'il faut garder à l'œil et qui vraiment a des grosses opportunités, quoi. Ouais, à surveiller. Et là, je viens de voir en même temps, j'ai été voir les prix de leur NFT. Ils étaient à 1,20 avant Breakpoint. Et pendant Breakpoint, ils sont montés à 3,80 les NFT. Donc, ceux qui Ouais, donc ont. tu vois. Ouais, ceux qui ont acheté au moment-là, laisse tomber. Ils ont fait une belle plus-value. Hein. Franchement, cool. Exactement. Ouais. Et en plus, ils avaient un beau stand. Les mecs étaient super sympas. Enfin, voilà. Bref, du coup, il y avait pas mal de petits projets comme ça. Super cool. Et ben, on va arriver maintenant, je pense, au talk de Shitty.
On a pris des temps à y arriver, mais du coup, Shitty, elle a donné un talk aussi durant Breakpoint. C'était pas sur la main, c'était sur une autre scène qui était assez grosse. Elle n'était pas hyper full la scène parce qu'elle était un peu cachée, c'était pas hyper bien fait. Et c'était aussi juste après manger, donc voilà, il n'y a pas forcément tous les gens qui se sont déplacés. Par contre, le talk, il était vraiment hyper intéressant. Il est disponible sur ma chaîne YouTube. J'ai tout filmé de A à Z et j'ai mis le replay. Donc allez voir parce que c'est quand même Shitty, elle est quand même hyper importante pour Stephen. Et franchement, je trouve qu'elle parle bien, elle explique bien et c'était vraiment un super talk. Et à la suite de ça, on a fait un petit meeting tous ensemble. Donc il y avait évidemment moi, Floki, Ladies Lake qui est une ambassadrice, il y avait Stephen Europe alias Becca, Lucas, Emmanuel, je crois que j'ai oublié personne. Et du coup, on s'est fait un petit meeting de 30 minutes, 30-35 minutes, tous ensemble en fait. On s'est assis autour d'une table, on a bu des coups, on a discuté. Et c'était vraiment trop bien parce qu'on a pu parler du coup déjà entre ambassadeurs, avec Shitty, entre nous tous en fait. On se voit tous, on fait des réunions régulièrement ensemble. Et là, d'être ensemble, c'était super. Et toi aussi, tu as bien parlé à Shitty, Floki. Je pense que c'est la première fois que tu la voyais. Moi, je l'ai déjà vu 4 ou 5 fois. Mais ouais, tu peux dire un peu ce que tu en as pensé de la conférence et aussi de ton échange avec elle. Tu as bien aimé? Ouais, bah ouais, clairement, déjà, son talk, comme t'as dit, c'est dommage, parce que c'était juste après aussi le déjeuner. Du coup, bah, les gens avaient du mal encore à bouger, tu vois, tout le monde continue à discuter, etc. Donc, je crois que c'était à 2 heures de l'après-midi, donc juste après la pause déj. Et voilà, la localisation du talk était pas très 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 simple à trouver, etc. Mais en soi, Shiki a fait une présentation sur le monde du NFT et le futur du NFT, plus ou moins. Et c'était super intéressant à faire des comparaisons avec le Web2, enfin vraiment mettre en collatéral le Web2 et le Web3 et à quel comment niveau on en est, en fait, si tu veux, par rapport au Web2, et que bah du coup on voit que le Web3 est vraiment c'est un petit bébé, tu vois, face au Web2, et qu'il y a encore énormément à créer, et que le NFT n'est pas que une image sur Internet qui vaut de l'argent. Voilà, qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire sur les NFT, qu'il y a beaucoup de possibilités. Donc ouais, si vous pouvez écouter le talk dispo sur YouTube, sur bah, justement sur ta chaîne YouTube, Will. Faites-le, ça dure 15 minutes. C'est extrêmement facile à écouter, même si votre anglais n'est pas très très bon. C'est extrêmement facile à écouter. Donc c'est vraiment super intéressant. Et ouais, après justement de pouvoir bah, avoir ce petit meeting et discuter avec Shitty, et même bon, vous les gars, on se parlait déjà depuis quelques jours qu'on s'est rencontrés, mais Shitty, moi c'est la première fois que je l'ai rencontrée en face à face. Vraiment super intéressante. Elle sait de quoi elle parle. Elle a vraiment un point de vue qui est intéressant sur même beaucoup de projets différents, que ça soit même d'autres projets Move to Earn ou des projets jeux vidéo. Ça, c'est vraiment super intéressant de voir son point de vue et de voir les connaissances qu'elle a. Voilà, Shitty, elle a énormément de connaissances. Elle sait tout ce qui se passe sur l'écosystème, surtout sur l'écosystème Solana. C'était super intéressant de parler avec elle. Après, on a parlé même de deux, trois autres topics qui sont complètement différents de crypto, etc. Mais c'était super intéressant. Et c'était cool parce que même de vous voir tous, la team, parce que moi, du coup, en étant en Australie, bah, j'ai déjà croisé et puis discuté, etc., boire des petits coups avec plusieurs entités qui sont en Australie, dont Yon & Jerry, les fondateurs, les cofondateurs de Stepn, Gazero, de FSL Ecosystem. Moi, je les ai déjà vus, je les ai déjà rencontrés, mais voilà, toutes les personnes européennes, etc., autres qu'Australie, je ne vous avais jamais rencontré, et c'était cool de vous voir en face à face et de pouvoir rigoler. On a énormément rigolé avec la team, vraiment bon délire. Surtout la dernière soirée, c'était vraiment cool. Mais ouais, non, c'était vraiment cool de pouvoir finalement parler, enfin parler face à face, et pouvoir échanger plus décontracté. Donc ouais, Ouais, c'était cool. clairement. Puis le fait de parler aux gens, tu sens tout de suite la personne, tu vois comment elle est. Et franchement, moi j'ai ce truc où pour les projets crypto, je fais vraiment attention à comment est la personne avec qui je parle. Et j'ai ce truc où je me dis que vraiment ce que la personne rejette, l'information qu'elle a. La qualité de ce que tout ça, en fait, ça permet vraiment de donner un avis très juste, je trouve, sur le projet, sur le sérieux du projet, sur l'avenir aussi du projet.
Et Shitty, elle fait partie vraiment des personnes, je trouve, qui dominent complètement l'écosystème, sans parler de délire bizarre, de supériorité, mais juste en termes de, ouais, de connaissances qu'elle a, de la manière dont elle s'exprime, de tout. En fait, tu sens qu'elle est, elle est clairement au-dessus, en fait. Sans, voilà. Et du coup. Ouais, clairement. Et puis même au niveau de business model, enfin, elle sait de quoi elle parle, tu vois. Elle est là pour le business. On va pas se mentir, hein. Step N, FSL Ecosystem, ça fait des partenariats, etc. C'est un business avant tout. C'est des projets qu'il faut construire, qu'il faut montrer qu'on est là. Faut pas se mentir, hein. Step N, on a pris un gros coup il y a un an de ça avec le bear market, etc. Où on s'en est pris plein la gueule, hein, que c'était assez compliqué pour la team, etc. Et ben, tu vois, faut réussir à se mettre en avant et dire, ben non, regardez, nous, on est toujours là, on continue à créer. Et plus que jamais. Et juste si je peux revenir, du coup, tu as créé des t-shirts Step N Breakpoint que nous deux on portait pendant tout le salon. Et c'est incroyable le nombre de personnes qui nous ont arrêtés, que ça soit que ça soit dans la rue, enfin dans les petites ruelles du Breakpoint, à la convention, en nous disant, ah, vous faites partie de la team Step N, oh, trop bien, je connais votre projet, machin, ça serait cool de faire un partenariat, est-ce qu'on peut discuter, ou juste pour nous donner juste un petit avis en mode, oh, c'est cool, maintenant on suit plus trop, mais c'est trop cool que vous continuez justement à créer, etc. Enfin, vraiment, les feedbacks étaient assez impressionnants. Enfin, moi, ça m'a fait bizarre au tout début de voir comment l'écosystème FSL est aimé, en fait, à Solana, et que c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux, mais là, de le voir en vrai et de voir les gens qui t'accostent et qui t'arrêtent et qui disent, oh, trop cool, Stephen, trop cool, quoi. Enfin, c'est trop bien ce que vous faites. Ça, c'était vraiment cool, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, juste en parlant des t-shirts, étant donné qu'il n'y avait pas énormément de monde qui est venu finalement à l'event de running, il me reste quelques t-shirts en plus. Il doit m'en rester peut-être une quinzaine, quelque chose comme ça. Donc, tous ceux qui sont intéressés par avoir un t-shirt, ils sont assez cool, ils sont simples, mais ils sont beaux, ces t-shirts blancs. Je vous les montrerai sinon en photo, mais il y a marqué Step N sur le devant avec Solana Breakpoint. Et dans le dos, il y a aussi le logo Step N officiel avec un vert et noir magnifique. Donc, s'il y en a qui veulent un t-shirt, envoyez-moi un DM, je fais aucune marge dessus. Je les vends à prix coûtant, plus le prix de la livraison. Vous m'envoyez un DM et je vous envoie ça, bien évidemment. Et voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Est-ce que toi, tu as encore des choses qui t'ont marqué, qu'on n'a pas abordées par rapport à l'event, Floki? Non, après voilà, je pense que moi c'est vraiment un coup de cœur cette convention. Déjà au niveau de l'organisation, était incroyable, super organisation. Il faut dire qu'on était à peu près 45-50 minutes du centre de Amsterdam, donc on était assez loin et beaucoup de monde était logé justement au centre de Amsterdam. Mais il y avait des bus toute la journée, toutes les 15 minutes il y avait des bus, il y avait des bateaux qui nous conduisaient sur le breakpoint. Ben, on en a parlé, mais la nourriture. L'accès aux boissons, etc. Tout était super organisé, super bon, super cool. Enfin, c'était vraiment. Voilà, on était environ 3 000 personnes. 3 000 tickets ont été sortis. C'était une petite convention, mais vraiment, tu vois, c'était le bon nombre. C'était pas trop et c'était pas assez. C'était vraiment le bon nombre de personnes. Moi, c'était ma première convention. Et j'ai vraiment kiffé justement rencontrer tous ces gens-là et juste commencer à parler en fait, tu vois, moi qui suis dans la crypto depuis un petit moment, j'ai des bonnes connaissances, mais qui sont pas non plus incroyables, mais j'ai des bonnes connaissances comparées à la plupart des gens dans le monde. Là, parler avec des gens qui sont dans l'écosystème tous les jours 24 heures sur 24, je me sentais comme un petit étudiant qui connaît rien, quoi. Enfin, c'était impressionnant de voir tous ces gens-là de l'écosystème, surtout Solana, qui construit à fond. Voilà, de voir ça. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que en étant en bear market et en voyant toutes les cryptos, etc., tous les projets qui ont pris à moins 80, moins 90 depuis quelques mois maintenant, de voir à quel point les projets continuent à construire dans l'ombre et à essayer d'être prêt pour le prochain bull. C'est vraiment, ça m'a surpris et c'est assez incroyable de voir ça. Et là, tu vois, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dans une autre convention et d'aller rencontrer des gens et de continuer là-dedans, quoi. C'est trop, trop cool. Donc, ouais, gros coup de cœur sur la conférence qui était cool, quoi.
Ouais, mais c'est vrai, en fait, c'est trop bien parce que t'es qu'avec des gens qui ont, entre guillemets, les mêmes centres d'intérêt et les mêmes passions que toi, et tu peux discuter de tout ça avec tout le monde, et tout le monde est intéressé ou intéressant, et c'est vraiment cool. Et moi, du coup, pour avoir fait vraiment pas mal de crypto events, j'ai dû en faire peut-être une petite dizaine au total. J'ai vraiment senti là que celui-là, Solana Breakpoint, était différent, qu'il y avait quelque chose en plus. Tu sens, je trouve, beaucoup plus d'union dans la communauté. Les gens, je ne sais pas comment dire, mais c'est vraiment, on se ressentait vraiment comme une famille. Et j'ai vraiment, enfin moi, ça m'a rendu mais tellement bullish sur Sol. Déjà de base, j'adore Solana, c'est le bag que j'ai le plus avec les BTC. Mais après Breakpoint, j'ai eu limite eu envie de faire all-in sur Solana. J'étais, enfin voilà, je me suis dit, il est vraiment en train de se passer quelque chose. Oui, Floki, qu'est-ce que tu veux rajouter? Non, non, bah ouais, je voulais réagir sur ça. C'est vraiment fou comment tu te sens comme une famille. Et en plus, on est en bear market. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que là, il n'y a pas tous les gens qui s'en foutent un peu et qui sont là juste pour faire de l'argent. C'est vraiment la grosse famille Solana. Et moi, je me suis senti pareil en mode bullish. Vraiment, quand tu entends les projets parler, de discuter de leurs projets, etc. Ça te donne une force et une envie incroyable et de voir que bah ok on est en bear market mais t'inquiète que derrière ça taffe, ça travaille énormément et Solana c'est fou, enfin tout le monde le dit dans l'écosystème, il y en a énormément comme toi qui font plein de conférences partout dans le monde crypto et qui disent bah Solana c'est à part, c'est différent, c'est la communauté est là, tout le monde c'est une grosse famille. Et tout le monde a apprécié de ouf la conférence quoi. Et après du coup je voulais te demander parce que moi je suis parti le début du quatrième jour, j'ai pas pu rester plus longtemps. Du coup j'ai loupé le dernier jour de la conférence et savoir toi justement sur le dernier jour ce que t'as fait, ce que t'as vu, ce que t'as écouté, s'il y avait des choses intéressantes, etc. Le quatrième jour. Ouais, alors y a eu plein de choses intéressantes, plein de choses cool, mais vraiment la chose qui m'a marqué, c'est que on avait discuté, je sais pas, tu te souviens, avec deux Américains. Bah, t'étais là pour le talk, non, t'étais pas là. On avait discuté du coup avec deux Américains pour durant Kleinosaur. Tu te souviens, un gars avec une moustache et l'autre, on avait grave discuté avec. Tu te souviens des deux là? Ouais, je me souviens, ouais, vraiment cool gars, ouais. Voilà, et ben en fait du coup le dernier jour, et ben il y a Cozy, on croise Cozy qui nous dit il y a un des artistes principaux de Kleinosaur qui va faire un talk, machin, venez, donc complètement par hasard, donc je le suis, j'y vais. Et en fait il s'avère que du coup le mec qui parlait, bah, c'était ce fameux gars à moustache, donc son nom c'est Robbie Shieldstone. Et du coup, c'est un des artistes principaux de Kleinosaur. Lui, c'est un énorme gars en vrai. Il a genre 400 000 abonnés sur Insta, enfin bref. Et ce mec est incroyable. C'est limite devenu mon pote. Il est vraiment trop, trop cool. Et je voulais aussi vous le dire parce que il lance en fait un projet NFT qui s'appelle Public World. Je vais aussi vous le publier en commentaire dans 5 minutes. Et en fait, voilà, le mec, il a vraiment des très, très grosses ambitions. Il a déjà réussi des très, très gros projets. En fait, tout ce qu'il touche, c'est de l'or, j'ai l'impression. Et voilà, il y a le mint qui va apparaître d'ici je sais pas quand, c'est pas encore annoncé, mais en tout cas je vous invite, si vous voulez un peu voilà, une petite alpha ou quoi, je vous invite vraiment à aller voir ça. Il y a très très peu de gens qui sont au courant, il y a que 200 abonnés pour l'instant sur la page Twitter, donc c'est vraiment un truc hyper early, et vous pourrez aller faire vos propres recherches sur le mec sur la page. Du coup je vais vous envoyer, il y a aussi l'adresse du mec en question, vous allez voir que c'est vraiment un très très gros. Donc voilà, c'est cadeau les gars, et c'était vraiment le truc le plus marquant du dernier jour. Et après les deux derniers jours, moi je suis resté encore le samedi dimanche, on était vraiment entre nous avec Lucas, Emmanuel et Stephen Europe, et on a vraiment passé du temps ensemble, on est sorti un peu en centre-ville d'Amsterdam boire un coup, et voilà, c'était aussi super de pouvoir passer du temps tous ensemble. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'ai pas encore fini de faire le tirage, donc si tu veux encore compléter pendant 2-3 minutes le temps que je finisse le petit tirage. Ouais, exactement ce que j'allais dire. On commence à dépasser sur une bonne heure 10. Donc, mais ouais, non. Ce que je voulais revenir aussi. Alors, certes, nous, on a vraiment kiffé Breakpoint, etc. C'était incroyable. Là, quand on parle, ça peut. Moi, rien qu'en parlant et en me rappelant de tout ce qui s'est passé, je suis en train de me remettre un petit bullish, un peu en mode bullish. Mais faites attention à vous quand même. Hein. On parle toujours, voilà, de. C'est pas. Faites vos recherches. C'est pas de la, comment on dit, de la finance advice. Ouais, des Je sais. investissements.
Voilà, exactement. J'ai un peu du mal des fois sur certains termes, mais voilà, faites attention à vous quand même. Là, vous voyez, il y a toutes les cryptos qui pumpent de fou aujourd'hui, et même depuis hier, et même ça fait une petite semaine que ça pump. Faites toujours attention à vous. On le répétera jamais assez, mais ne mettez, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Voilà. Faites attention à vous, c'est bullish. Il y a beaucoup d'annonces qui sont bullish, mais voilà, c'est le but des projets aussi, hein. Les projets, c'est le but de mettre la hype autour de leur projet, autour de ce qu'ils développent, mais faites toujours attention. Voilà, ça reste des cryptos. Il faut vraiment connaître les projets derrière, se renseigner. Voilà, c'est vraiment important, et ça, je voulais vraiment le rappeler, parce que quand on en parle, oui, ça rend bullish, mais il faut faire attention à tout ça. Mais voilà, sinon, voilà, Breakpoint, pour moi, c'était vraiment vraiment un gros gros coup de cœur. Première convention, maintenant j'aimerais bien en refaire. La prochaine convention de Breakpoint sera à Singapour en fin septembre 2024. Donc si certains d'entre vous seront de ce côté-là, ou sont motivés, ou font très très bien, sont des très bons investissements et ont assez d'argent, pourquoi pas se rencontrer là-bas. Moi, pour l'instant, je suis pas sûr à 100% d'y aller. Mais je vais essayer. Voilà, je vais essayer de mettre de l'argent de côté. Je vais essayer de voir s'il y a des possibilités d'y aller. On est déjà beaucoup de l'écosystème à s'être rencontré au Breakpoint Amsterdam, et à vouloir se re-revoir à Singapour. Donc on va voir tout ça. On va voir aussi avec la team FSL s'il y a des choses de prévues, etc. Mais voilà, s'il y a l'occasion, vous êtes dans le coin, ça sera un plaisir de vous rencontrer par là-bas. Clairement, mais moi je vais tout faire aussi pour y aller. C'est clair que c'est chiant, c'est loin, Singapour, ça va être compliqué, l'avion, le logement et tout. Mais bon, je me dis ça va valoir le coup, donc on va tout faire pour essayer d'y aller, hein. Ouais, exactement. Et puis voilà, convention, ça t'apporte. Tu vois, si vous êtes passionné par les cryptos, ou même si vous aimez bien ça, vous passez beaucoup de temps tous les jours à vous renseigner un peu sur les projets, quelque chose comme ça, les conventions te donnent vraiment quelque chose de nouveau, t'apportent un nouveau souffle, en fait, aux cryptos. Et c'est vraiment intéressant d'échanger avec les acteurs crypto. Bon, là, c'est Solana, mais même je vous conseille d'aller dans n'importe quelle convention crypto, parce que ben, on est des passionnés, en fait. Et il y en a pour tout, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour le NFT, il y en a pour des projets DeFi, il y en a pour la blockchain, il y en a, enfin, vraiment, il y a de tout, et tu peux discuter de tout. Et même si vous n'avez pas de grosses connaissances crypto, c'est pas grave, allez-y quand même. Les gens, en fait, sont ravis d'échanger, parce que c'est des passionnés, et quand tu es passionné pour un sujet, eh ben, tu es ravi d'en discuter avec des gens qui ne connaissent pas, ou quoi que ce soit. Donc si vous avez l'occasion d'aller dans des conventions crypto, n'hésitez pas à y aller. Voilà, ça peut être cher des fois, mais il y a toujours des solutions. Regardez les conventions, des fois ils font des giveaways, ou ils offrent des tickets, des choses comme ça. Et c'est vraiment vraiment intéressant, et ça vous donne une autre approche sur les cryptos. Et moi, ça m'a vraiment intéressé de fou, et j'ai kiffé. Enfin, j'ai vraiment kiffé mes quelques jours là-bas, quoi. Plus rencontrer la team. On a vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, on a vraiment, vraiment bien rigolé. Donc voilà, c'est cool. Ouais, carrément. Et du coup, checker bien aussi pour les prix, les student price. Bon, c'est pas toujours si simple. Des fois, il faut essayer de contacter les créateurs des trucs, etc., pour un peu insister. En fait, il faut un peu aller se battre pour choper les meilleurs prix généralement. Et là, le prochain événement, moi, que j'ai vraiment hâte et que je vais vraiment essayer d'y aller, c'est le NFT Paris. C'est le 23 et 24 février 2024. Donc, s'il y en a qui sont around, eh ben, évidemment, venez. Je vais faire maintenant juste 2 minutes d'annonce et après, j'annonce les gagnants. Donc ce soir à 21h, il y a un live sur ma chaîne YouTube. Il y aura aussi des cadeaux à gagner. Donc comme pendant ce live-là, il y aura aussi une whitelist et des GMT à gagner. Je vous rappelle aussi qu'il y a la Stephen Hunt, la 4e semaine en cours en ce moment sur ma chaîne. Vous devez faire une création en lien avec Stephen ou FSL. Donc allez voir, c'est en tweet épinglé sur mon Twitter. Et bah écoutez, c'est à peu près tout pour les annonces. Je vous ai dit les t-shirts. Ah oui, non, checkez aussi votre wallet. Il y a eu un airdrop il n'y a pas longtemps de Pip, un shitcoin PEEP, ou alors Pipo, PEEPO. Si vous détenez des NFT sur Solana, vous avez peut-être reçu un airdrop. Moi personnellement, j'ai reçu 45 balles de airdrop que j'ai swap tout à l'heure sur BirdEye, donc ça fait grave plaisir. Donc allez checker vos wallets, c'est un petit cadeau en plus qui fait plaisir. Et du coup, on va passer maintenant aux gagnants. Je pense que les gagnants vont être contents.
Donc, pour les 50 GMT, donc c'est 100 GMT en tout, deux fois 50 GMT à gagner. Donc, le premier gagnant, c'est Alex. Alex Clément, ton nom, donc envoie-moi tout de suite un MP pour me confirmer que tu as bien reçu. Donc, je répète, c'est Alex Clément 91, A Clément 91, voilà, qui a gagné. Je ne retrouvais plus ton nom. Le deuxième, c'est Opi Ads, donc Opi Ads Loterie. Pareil, envoie-moi un message. Donc, vous avez tous les deux gagné 50 GMT. Félicitations à vous. Envoyez-moi de suite un message, les gars. Et celui qui a gagné la whitelist, il va être content, je pense. C'est Daige 16. Donc, bah, félicitations à toi. Tu vas pouvoir tester Gazéro en avant-première. Donc voilà, écoutez, je vous remercie à tous d'avoir été là. J'espère que vous avez pu kiffer et que vous avez pu avoir des informations intéressantes sur tout. On a vraiment, vous avez vu, tout donné avec Floki. On a voulu tout vous raconter, tout vous expliquer parce que vraiment, on a passé une super semaine. On voulait partager ça avec vous. Donc voilà, Floki, le mot de la fin et puis on va finir là-dessus. Eh ben ouais, c'était vraiment cool d'en parler. Comme on dit, il y a tellement de choses à partager, on pourrait encore parler pendant 2-3 heures, mais voilà, je pense qu'on vous a bien résumé les actus, Breakpoint, etc. N'hésitez pas à aller faire un détour sur Twitter, etc. pour voir un peu plus les projets qui étaient à Solana Breakpoint, si ça vous intéresse. Y en a pour tous les goûts. Et non, cool, trop trop cool de partager. Et n'hésitez pas à aller sur le YouTube ce soir live de Will. Et voilà, un plaisir de partager, un plaisir de faire un petit space en français aussi. Je galère un peu à parler de temps en temps, j'ai certains termes que je ne trouve pas en français, mais toujours un plaisir de partager. Ah, nous, on est bien, laisse tomber, on n'arrive plus à parler français. Exactement, ça, quelle bande de cons. Ah bon, quelle bande de cons. Bon, allez, merci encore, salut à tous, et puis à très bientôt. Ciao, ciao! Ciao, ciao.